Alors, on est en direct à partir de maintenant. Alors, la diffusion en cours, alors je sais pas, alors pour l'instant il y a encore zéro abonné, mais ils vont venir vos camarades. Non, non, il y a plus que trois abonnés. Alors. Alors. On est là. Alors, je vais me reculer, comme ça la caméra me voit quand même bien, parce que ça serait bien si vous voulez revoir aussi la vidéo. Alors, bon, bah, alors bonjour à tous ceux qui sont chez eux à la maison. Nous allons voir donc la leçon sur les airs, savoir pourquoi on parle de mètres carrés et voir les premières formules. Donc, formules pour calculer l'air d'un carré, l'air d'un rectangle et l'air d'un triangle. Alors, je vais quand même faire un petit tour de classe. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Rémi est toujours concentré. Alors. Alors, s'il vous plaît. Alors, première chose, pourquoi est-ce qu'on parle de mètres carrés ? Alors, tout simplement, au moment de la Renaissance, quand on a créé le mètre, parce qu'avant, dans certains villages, on calculait en coudées, en pieds. Donc, d'un village à l'autre, on avait des mesures différentes au Moyen-Âge. Mais une fois que le mètre, le système métrique a été mis en place, ben, c'était pareil pour les surfaces. Alors, imaginez un joli carré. Alors, je ne sais pas si on le voit. Alors, je vais écrire en noir. Est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'on voit le petit carré ? Ah, on voit le petit carré sur l'écran. Ça, c'est bien. Non, mais au moins, les copains à la maison, ils pourront voir. Alors. Ça, c'est possible aussi. Alors, s'il vous plaît. On parle de mètres carrés. Alors Camille, là, le monde entier sait que tu bavardes. Tu vois, là, c'est bien, c'est en direct. Le monde entier sait que tu bavardes. Alors, s'il vous plaît, alors, on parle de mètres carrés, pourquoi ? Imaginez, alors, je n'ai pas dessiné un énorme carré qui fait un mètre sur un mètre, mais si on imagine, s'il vous plaît, si on imagine ce petit carré, un mètre de côté, est-ce que quelqu'un peut me rappeler le périmètre d'un petit carré comme ça ? Le périmètre, vas-y, Elliot. Alors, le périmètre, je répète que c'est le pourtour. On calculerait un mètre, plus un mètre, plus un mètre. On a quatre côtés d'un mètre. On aurait quatre mètres de périmètre. Alors, périmètre égale quatre mètres. Mais l'air. Eh bien, chers élèves, tout simplement, comme le mètre est l'unité de base, ben, ça allait devenir la même chose pour le mètre carré. Donc, on s'est dit qu'un carré qui fait un mètre de côté, ça sera un carré qui fait un mètre carré, tout simplement. Donc, ça, c'est la base, tout simplement. Jean, donc un carré d'un mètre, l'air, la surface de ce carré, c'est un mètre carré. Maintenant, alors je m'adresse aussi, vous qui êtes dans la salle. Maintenant, je fais un carré plus grand. Alors, Jean, c'est toi qui vas répondre. Je fais un carré effectivement plus grand. Tu veux bien arrêter ? Non, tu restes à ta place, Camille. Alors, j'ai dessiné un carré plus grand. Il fait 2 mètres de côté. Hein, donc, tous les côtés font 2 mètres. C'est un carré. Est-ce que Jean, tu peux nous dire alors combien de mètres carrés il fait ? Alors, celui-ci fait donc 4 mètres carrés. Alors, je vais continuer. Essayez de voir la logique. Je fais un carré encore plus grand. Il va faire 3 mètres sur 3 mètres.
On est d'accord? On a 1, 2, 3 mètres sur les côtés. 3 mètres. On a également 3 mètres en bas. Est-ce que quelqu'un peut me calculer la surface? Alors, tant qu'on a un quadrillage, c'est facile. Nils? Ouais. Alors, Nils a du mal. Alors, pourtant, il est dans la salle. Hein. Sur Internet, ils ont peut-être du mal à compter. Alors, vas-y, Eleni. 9 mètres carrés. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a 1, 2, 3 mètres carrés, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a dit que chaque petit carré, c'est 1 mètre sur 1 mètre. On a donc 1 mètre carré. On a donc 1 mètre carré. On parle de l'air. R égale ici 9 mètres carrés. Toujours le petit 2 à mettre. Alors, justement, alors, c'est bien que tu te trompes aussi, Nils, mais je répète, le périmètre, c'est le pourtour. Et là, effectivement, on a 3, 6, 9, 12 mètres de périmètre, mais on n'a que 9 mètres carrés de surface. Alors, j'en fais encore un plus grand. Alors, regardez, maintenant, je vais faire 4 mètres sur 4 mètres. Alors là aussi, je vous laisse compter. Alors, ceux qui sont chez vous, ils peuvent aussi laisser compter. Oui, oui, il y en a un. Alors, je sais qu'il n'est pas très, très joli. Hein. J'essaierai de calculer, de faire beaucoup plus joli après. Alors, imaginez, on a un damier avec 4 mètres, donc un grand carré de 4 mètres sur 4 mètres. Alors, on a 16 mètres carrés. Est-ce que... Maintenant, je vous demande de voir. Alors, certains ont peut-être déjà lu la leçon avant, d'autres ne l'ont pas encore vue. Est-ce que vous pourriez essayer de me trouver une formule qui me permettrait de calculer la surface? Alors, là, on a dit 4 mètres de côté, un carré de 4 mètres de côté, ça nous fait 16. Avant, souvenez-vous, je vais revenir juste à la version d'avant. Avant, on avait 3 mètres sur 3 mètres. On en avait 9. Est-ce que vous arrivez à trouver une formule qui pourrait nous permettre de calculer l'air? Alors, Elliot? Alors, là, on a 3 fois 3. Et pour le côté où il y en a 16, mais tu vois, ce que tu dis nous gêne aussi, Nils. Alors, et pour le 4 x 4, qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour celui qui fait 4 mètres sur 4 mètres? Alors, Elliot vient de dire que pour celui qui faisait 3 mètres, si on fait 3 x 3, on avait 9 mètres carrés. Maintenant, on a 4 mètres. Comment on trouve nos 16 mètres carrés alors? Comment on pourrait, par calcul? Vas-y. Eh bien oui, on a un carré de 4 mètres de côté. Si on fait 4 x 4, on a bien nos 16 mètres carrés. On va encore le vérifier une fois. Alors, j'aimerais bien que Mathilde aussi dise un petit quelque chose. Alors, Mathilde, si je fais un carré, un grand carré de 5 par 5, on a bien 5 carreaux, donc on a 5 mètres. Là aussi, effectivement, on a 5 mètres. Combien de mètres carrés on en a? Alors, vous pouvez tous compter. Hein. On a 25 mètres carrés. Et quelle formule on pourrait utiliser? 5 x 4, ça fait 25? Alors attention, comme Nils avant, ne confondez pas avec le périmètre. Pour le périmètre, vous faisiez 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres. C'était le pourtour, on faisait 5 x 4. Mais comment là, on peut trouver l'air, la surface? Vas-y Mathilde. Effectivement, pour l'air, vous allez prendre le côté multiplié par le côté. Donc pour l'air, alors je ne sais pas si ça va se voir, l'air d'un carré, la seule et unique formule à connaître, c'est le côté fois le côté. Ça marche avec les mètres, mais ça marcherait aussi avec des centimètres. Si ici, vous traceriez vous-même des petits carrés 5 cm sur 5 cm, avec tous les petits carreaux au milieu, si on est à 5 cm et 5 cm, on aurait 25, pas des mètres carrés, mais on aurait 25 cm carrés. Donc la formule, c'est côté fois côté. Je vais la laisser là pour la garder en mémoire et on va faire exactement la même chose avec des rectangles. Alors, on redémarre. Imaginez tous, on part d'un premier carré qui fait 1 mètre sur 1 mètre. On a donc 1 mètre carré. 1 mètre carré.
Maintenant, très simple. Si je mets un deuxième, alors là, est-ce que quelqu'un peut me donner l'aire de ce rectangle ? L'aire du rectangle, allez, monsieur Evan. On est d'accord que l'aire de ce petit rectangle, l'aire, ça sera 2 mètres carrés. Est-ce que quelqu'un peut me donner le périmètre quand même ? Alors, je sais qu'on mélange les deux, mais essayez de calculer le pourtour, le périmètre de ce rectangle. Vas-y, Clara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le périmètre, je le mets en dessous, mais il ne nous intéresse pas trop. Le périmètre, ça serait 6 mètres. Et l'air, on n'est qu'à 2 mètres carrés. On a juste 2 carrés d'un mètre carré. Donc, on a 2 mètres carrés. Je vais faire. Alors, essayez quand même. Après, je vous demanderai aussi d'essayer de trouver une formule. Je vais vous faire un rectangle un peu plus grand. Celui-ci, il fait combien de mètres carrés ? Combien de mètres carrés ? Vas-y, Eliott. Là, on a 4 mètres carrés. Est-ce que, alors, on a 4 mètres ici, on a 1 ici. Essayez de réfléchir à des formules. Nathan, je t'interroge pour le suivant. Imaginons un rectangle comme ça. 8 mètres carrés. Est-ce que vous commencez à trouver une formule qui nous permettrait d'avoir les mètres carrés ? Est-ce que quelqu'un voit une formule qui nous permet d'avoir tout de suite le résultat ? Parce que si je ne dessine pas les carrés, comment je peux trouver mes 8 mètres carrés ? Là, c'est facile, on a des carreaux, on peut les compter. Alors, Nils ? Alors, oui, le 1 plus 1, donc c'est le côté. Il a raison. On a ici 2 mètres. Et ici, on a 4 mètres. Si on fait 2 fois 4, on a 8 mètres carrés. On est d'accord, hein, 2 fois 4, 8. Alors, regardez. Est-ce que ça marche toujours si je fais ça ? Quelle est la surface ? Alors, Rémi, quelle est la surface de ce grand rectangle ? Alors, Rémi, pour ceux qui nous suivent sur Internet, Rémi n'est pas plus attentif maintenant qu'au mois de mars. Ben, les autres, combien j'ai dessiné de mètres carrés ? Alors, vas-y, Clara. Alors, 1 plus 1, ce côté, ben, il fait 2 mètres, effectivement. Effectivement, fois 5 mètres. Et on peut calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a bien 10 mètres carrés, ils sont dessinés là. Et la formule qu'on peut commencer à voir, c'est je multiplie le petit côté par le grand, ou le grand par le petit. 5 fois 2, ça fait bien 10. Est-ce que ça marche toujours ? Alors, Rémi, encore une fois, donne-moi le nombre de mètres carrés dans ce grand rectangle. C'est toujours un rectangle, hein. Alors, combien j'en ai dessiné là ? Combien y a-t-il de mètres carrés dans cette partie-là ? 15. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme calcul ? 5 x 3, parce que ce côté-là maintenant fait 3 mètres. 5 x 3, 15 mètres carrés. Alors, quelle est la formule ? Quelle serait la formule pour l'aire d'un rectangle ? L'aire d'un rectangle. Quelque chose comme ça. En fait, ça va ressembler au carré. Alors, le carré, c'est le même côté partout. Là, souvenez-vous qu'on a un rectangle, on a forcément un côté qui est plus grand que l'autre. Comment on appelle le côté le plus grand ? La longueur. Donc, on a la longueur. Et oui, je l'ai entendu. Alors, la largeur, ça sera le côté court. En général, en maths, c'est ça. Donc, longueur fois largeur. On en fait un dernier. Alors, je vais l'agrandir plus. Là, vous n'êtes même pas obligé de compter les carreaux. À la rigueur, faites le calcul. Combien, normalement, on a de mètres carrés dans ce grand rectangle ? J'ai agrandi. Un mètre de plus en largeur, un mètre de plus. Oui, Nathan ? Alors, quel est le calcul que tu as trouvé ? Alors, seulement, là, je viens d'en rajouter un, donc j'ai 6. Attention, j'ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai bien 4 mètres. 6 fois 4, on a 24. Alors,
1, 2, 3, 4, 5, 6, une rangée de 6, donc 6, 12, 18, 24 mètres carrés. Et on voit que la formule marche toujours. Longueur fois largeur, 6 fois 4, ça fait bien 24. Donc, on a la formule ici de l'aire du rectangle qui est expliquée. On a bien sûr longueur fois largeur. Ça ressemble à côté fois côté du carré. Je vais expliquer maintenant l'aire du rectangle. Maintenant, si tu as une question, Tom, vas-y. Alors, le périmètre, tu ne fais jamais la longueur fois la largeur. Alors, le périmètre, ça serait combien le périmètre ? Vas-y, calcule le périmètre ici. Alors, les garçons, il a raison de voir, il se dit, tiens, ça ressemble au périmètre, mais ce n'est pas la même chose que calculer le périmètre. Et il fait combien ici le périmètre ? Dans les autres, vous pouvez répondre, c'est quoi le périmètre de mon grand rectangle ? Ben alors ? Alors, oui, Lénie ? Alors, si on fait effectivement largeur plus largeur, on a 4 plus 4, longueur plus longueur, plus 6 plus 6. Attention, mon grand, ça fait que 20 mètres. On a 20 mètres de pourtour. 4 plus 6, ça fait 10, plus 4, 14, plus 6, on a 20. Donc, attention, il ne faut pas confondre le périmètre, c'est-à-dire le pourtour d'un rectangle, avec la surface intérieure. Je répète, l'aire, c'est longueur fois largeur. Maintenant, alors je vais juste faire apparaître un petit quadrillage déjà tout fait. Alors, j'efface tout ça. Alors, je ne vais pas effacer les formules. Alors, on va peut-être. Ah non, on voit bien le quadrillage quand même. Oui, ils sont effectivement déjà 7. Alors, ils ne sont, pas 20. Tous ne sont peut-être pas réveillés. Alors, déjà, bonjour aux 7 qui sont avec nous. Alors, les garçons, alors je précise, il y a aussi des filles, mais les filles sont plutôt gentilles. On va voir rapidement l'aire d'un triangle rectangle. Alors, j'aimerais bien que Evan et M. Rémy se réveillent un petit peu. Vous manquez un peu de participation. Alors, les garçons… Alors, je vais essayer de le faire plus épais pour que ça se voit. Alors, comme avant, on va se dire que chaque petit carreau, c'est un mètre. Chaque carreau, c'est un mètre. On va faire un énorme triangle. Alors, je vérifie quand même que ça se voit. Oui, ça se voit sur l'écran. Alors, est-ce que tout le monde voit qu'on a un joli triangle rectangle ? 60 ans. Non, mais... dans triangle rectangle, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous permettrait de calculer la surface de ce triangle ? Alors, on peut commencer à compter, mais vous allez voir qu'on n'a pas toujours des demi-carreaux. Donc, on aura un peu de mal. Non, non, tu arrêtes. Mais vraiment. Dites-moi, alors, les garçons, est-ce que dans le triangle rectangle, est-ce que vous avez une idée comment on pourrait calculer la surface ? Parce que si je commence à compter les carreaux, là j'en ai un entier, 2, 3, 4, 5, 6, et alors là on a des petites idées, il y en a qui ne sont pas tout à fait à la moitié, comment je vais calculer le reste ? Alors pareil, il y a une formule. Alors Nils, tu as une idée ? Alors là, on ne veut pas le périmètre, on ne veut pas faire le tour, hein. On veut bien la surface intérieure. Donc Nils, il faut maintenant laisser de côté le périmètre et il faut vraiment se concentrer sur la surface intérieure. Lénie ? Alors, on fait deux fois le triangle rectangle, ça va faire un rectangle, on fait la moitié du rectangle. Regardez, si maintenant, je vais mettre des pointillés. Un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Est-ce que là, au moins dans la salle, vous voyez bien ? Je ne sais pas si ça se voit super bien. Je vais repasser la diagonale aussi.
La surface d'un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle, comme vous pouvez le voir sur ce dessin. Donc, tout simplement, on va garder la même formule et il suffira de diviser par deux. Donc, l'aire pour un rectangle, pour un triangle, triangle, rectangle. On peut faire également longueur fois largeur, mais il ne faut pas oublier de diviser par deux. Est-ce que quelqu'un de tête arrive à me calculer la surface? Donc là, je veux uniquement la surface d'un triangle, hein, pas les deux. Alors? Alors, quelle est la longueur? On va le faire. Jean, c'est quoi la longueur? Alors, on a six carreaux. Alors là, on a dit que chaque carreau, c'est un mètre. On a 6 mètres. Quelle est la largeur? On a 3, effectivement. Et attention, si je fais 6 fois 3, ça va faire 18. Ça va nous faire tout le rectangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Si je fais uniquement, mais regardez bien, 6 fois 3, je vais avoir tout le rectangle. Et comme je veux la moitié, on va diviser par 2. La moitié de 18, 6 fois 3, 18, la moitié de 18. On a effectivement ici 9 mètres carrés d'air. Ben, le rectangle ferait 18, 18 carreaux. Là, on n'a que la moitié. Le triangle rectangle, c'est que la moitié d'un rectangle. Alors, bon, on va arrêter effectivement la vidéo parce qu'on a les explications. Donc, le mot du mètre carré... Le mot du mètre carré vient donc d'un carré d'un mètre de côté. C'est comme ça qu'on a créé l'unité de base, le mètre carré. Et donc, il y a des formules, je répète, que pour le carré, il suffit de faire le côté fois lui-même. Donc, si on a un côté de 6 mètres, 6 fois 6, ça fera 36 mètres carrés. Si c'est un petit, ou par exemple de 10 cm, 10 cm sur 10 cm, on pourrait s'amuser à dessiner tous les petits carreaux, mais ça ferait 100 centimètres carrés. Il y aurait 100 petits carrés d'un centimètre de côté dans un petit carré de 10 cm sur le côté. Pour un rectangle, on l'a vu encore là aussi, c'est longueur fois largeur, ça ressemble un peu à côté fois côté hein, du carré, mais c'est la longueur fois la largeur et on a tout un rectangle. Et pour un triangle rectangle, c'est la même chose divisé par deux. Le triangle rectangle, c'est la moitié, il a la surface moitié par rapport à un rectangle. Donc c'est également longueur fois largeur, mais divisé par deux pour les triangles rectangles. Et on va s'arrêter là pour l'explication de la leçon. Et maintenant, ben, il faudra réécrire dans votre cahier de leçon la leçon sur l'aire des polygones. Et on va couper effectivement le flux à présent. Alors, vous pouvez dire au revoir à tout le monde. Allez, on va couper. À la prochaine.